jour en Islande, c'est un reportage que j'ai fait il y a maintenant un an à peu près, au mois de mars. Je suis parti en plein mois d'hiver, tout le mois de mars, en Islande, tout seul, avec un sac à dos et mon appareil photo. J'ai fait le tour de l'Islande à pied, j'ai logé chez l'habitant. Et puis voilà, c'était un peu découvrir. On découvre plein de choses quand on voyage seul. J'ai fait en sorte de ne pas me renseigner sur le pays, pas du tout. Parce que je voulais pas du tout avoir l'aspect touristique. Donc c'était un pur moment de liberté totale pendant un mois. Et puis ça a sorti une série de 20 photos qui sont derrière moi en partie. Voilà. Soon I'll come around. J'ai voyagé deux fois en Islande et en fait quand je suis rentrée, du coup donc mon travail est axé sur le côté plastique, enfin je suis plasticienne, je fais des coiffes avec des lumières, des mécanismes, et le but c'était de retranscrire en fait tous les phénomènes géothermiques, les électricités naturelles sur ce principe de coiffe, de montage un petit peu, et de monter un projet sur lequel il y aurait une création danse, une création musique autour donc de ces phénomènes-là, comme les aurores boréales, les icebergs, les glaciers, tout ça. Et on a monté ce projet qui s'appelle OR, O-R-E. Donc ce soir, je présentais une performance, donc une partie du projet en création, donc une performance de 20 à 30 minutes. Qui se présentait sous forme de trois tableaux. Le premier tableau était autour des icebergs, glaciers. Le deuxième sur plus la roche, les minéraux et rochers. Et la troisième sur l'électricité. Et donc les cinq performeurs, danseurs étaient à la fois modèles, portaient donc mes structures, improvisées et avaient une ligne directrice quand même par rapport à ces trois tableaux, et improvisées également. En relation avec la musique. Donc, le but c'est de créer vraiment une mise en scène matière, son, lumière. Called Lower. My name is Ryan. My name is Lever. My name is Loi. We hear it a lot that people listen to the albums and say can hear the Icelandic. I don't know if we ourselves hear it that much. We often talk about it. Yeah. And like, we could be on a beach in Hawaii and probably making the same music. Yeah. But it's something in there that people kind of like relate to as being like Icelandic, something special. You get that a lot, that kind of like, oh yeah, it sounds very Icelandic. It's a thing that's very nice to be a part of. You know, it's a small community of people just kind of all doing things, and I think, but it goes both ways because it is such a small community, nobody wants to sound like another person. So people are doing things differently, but maybe, you know, even like dance or hip hop kind of stuff would even sound Icelandic in a sense. You don't do it on purpose. We'll be right back.
Thank you.